Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. On est le dimanche 9 avril 2017. Il est 21h37 et je débarque tout juste du train puisque ce week-end j'étais à Mulhouse pour assister à l'événement des Amiches du Maker Fight, les Amiches du Technichtube. J'ai toujours autant de mal à le dire. C'était génial, un poil fatigant, mais vraiment génial. Et donc, je vais faire des petits vlogs, et je pense que je vais faire ça en trois parties. D'abord, un, la présentation du Technichtube. Le deuxième, c'est l'événement Maker Fight. Et le troisième, ça va être sur les combats de robots. Vous allez voir, ça va être carrément cool. Vendredi soir, direction Mulhouse, ville où je suis jamais allé. Et si je ne me trompe pas, c'est en Alsace, pour aller voir les Amiches du Technichtube, qui est un Fab Lab à Mulhouse, qui sont les organisateurs du Maker Fight. Un concours de combat de robots. Un peu moins de 3 heures de train. Et découverte de leur lab temporaire, puisque d'ici quelques mois, ils vont bouger dans un nouveau lab un peu plus grand avec des machines encore plus barbares. C'était les préparatifs le soir avant l'événement. Donc plein de gens, plein de trucs qui bougent. Et Martial m'a fait faire un peu le tour du propriétaire. Oh, oh. Il fait mal. C'est combien on... Bon alors je suis au Technichtube. C'est bien Stube. Putain, je me trompe à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a ici donc? On a de l'électronique. Plein d'électronique. Alors ça c'est l'engin de l'enfer. Comment énerver ses voisins en 30 secondes. Ah, je vais demander. Alors, on a quoi ici? On a de la CNC. Ouais, PCB essentiellement. Oh. Là, une petite Bungart. Un tour. Ça, c'est pas un tour, ça. My precious. Ça, c'est un jouet. Non, mais ouais, mais c'est... Moi, ça rentrait chez moi, tu vois, sans aucun problème. Ouais, et là, on arrive un peu dans la partie qui me plaît, en fait. Ouais, c'est le typique. Déjà, avant, ça me plaisait bien, mais déjà, rien que ça, ça me plaît. Voilà. Ouais, ça, c'est la dernière acquisition, ça. Ah, un petit poste à souder, c'est quoi ça? C'est un... Non, ça c'est le plasma. C'est un hyper-tab. C'est un poste plasma. Moi j'aime bien le Technichtube. Voilà, ça, et c'est bien ça, dit. Ça se dit comme ça, ouais. Ça se dit comme ça, c'est parfait. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas pu venir au Maker Fight, c'est une erreur. Voilà quoi. Déjà, c'est une erreur. C'est une erreur. T'as intérêt à venir? Non mais oh. Clairement. Et puis venez soutenir les Amiches à Mulhouse. Yes. De l'électronique, de la forge, de la découpe plasma. Et d'ailleurs, j'en ai profité hein, pour faire un petit épisode, un petit peu la barbare, à 23h, avec la découpeuse plasma, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est un outil que j'adore. Merci beaucoup les Amiches de m'avoir laissé jouer avec ça. De la forge, de la couture, des trucs vraiment cool. Donc si vous êtes sur Mulhouse et que vous êtes un maker ou que vous avez besoin d'une découpeuse plasma ou vous n'avez pas des connaissances en électronique, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont super sympas et ils font plein de trucs. Les Amiches. Une découpeuse laser qui a brûlé, ça donne ça. Fuck.
optique morte, enfin tout en fait, non? Putain, en plus c'est une épilogue quoi. Tu changes juste l'intérieur. Et comment t'as réussi à cramer ça? Tout le reste c'est dehors. En fait, le problème, c'est que je pense qu'il y avait aussi quelques poussières dans le bac de rétention. Mmh. Et je pense que c'est ça qui a pris. Je pense que c'est ça qui a pris. Et avec l'aspiration qu'il y avait, ça tire 800 mètres de couleur. Tu vois même pas et puis ça part. Le moment qui fait mal, c'est quand Martial m'a montré son imprimante laser épilogue qui avait pris feu. C'est des choses qui arrivent. Alors, même si c'est des outils de fabrication numérique, ça reste des outils, c'est dangereux. Donc faites attention. Vous êtes rentré. Tu plantes des fumer des cigarettes. Mmh. Ah, mais tous ceux qui vont aller. Cette expression, c'est une expression très sûrement. Ouais, ça se voit à moitié. C'est bien. Voilà donc pour ce premier vlog qui était plus une présentation du Technichtube. Putain, j'ai réussi cette fois-ci. Donc un grand merci aux Aminches de Technichtube pour m'avoir invité et m'avoir incité à y aller. C'était vraiment un week-end génial. Et dans la partie 2 qui viendra bientôt, on verra l'événement en lui-même. Et dans la partie 3, ce sera les combats de robots. Comme d'habitude, bien sûr, vous connaissez le principe. Questions, insultes, commentaires, tu t'abonnes, pif paf pouf. Et bientôt, un vrai épisode avec une découpeuse plasma. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.